Bonjour, je suis Somanara, maman de 3 enfants et j'habite dans le Loiret. Aujourd'hui, je vais tester une suspension douche Enoa par Lighten Lime que je viens de recevoir et donc je vais l'installer dans une de nos chambres d'amis. Alors, la suspension est en couleur rose blush, donc dans un mix de matière en jute et en lin. Et j'ai décidé de l'installer dans cette pièce, remplacer donc la suspension qu'on avait installée ici, parce que je pense que les couleurs vont bien s'harmoniser. Cette suspension est fabriquée en France. Elle se distingue par son caractère assez imposant, avec ses deux abat-jours qui viennent s'encastrer l'un dans l'autre et prennent une forme carrée avec des bords arrondis. L'un des abat-jours est fabriqué dans du lin, tandis que l'autre est réalisé dans de la jute. Les couleurs que nous avons choisies sont rose blush et poudre. Comme vous voyez, le mix de matière est réussi. Il apporte une touche rétro, qui est accentuée par la couleur du plus grand des abat-jours. Il est conseillé d'utiliser une ampoule de 60 watts maximum avec un culot en E27, qui n'est pas fourni. Le plus produit, la rosace est fournie. Il est compatible avec un variateur dimmable et la hauteur est réglable. La hauteur maximum est de 86 cm. La hauteur est de 26 cm pour une longueur de 35 et une largeur de 35 cm également. Dans notre chambre d'amis, dont le plafond est de 3 mètres, ça s'accorde très bien. De par ses dimensions, je le conseillerais plutôt pour une chambre, mais je pense qu'il irait très bien dans une salle à manger ou un salon. Ce que j'aime dans cette suspension, c'est qu'elle est élégante, elle est fabriquée en matière naturelle, la lumière qu'elle dispense est douce et très agréable. Elle était parfaitement emballée, la livraison a été rapide. Le fait que cette suspension soit fabriquée en France, comme tous les luminaires Lighten Lime, est un vrai plus.